Mais du vent qui vient de tourner ce matin sur la Canore. Bonjour à toutes et à tous, toujours ce temps bien agréable, gris couvert et pluvieux, une température extérieure à 15 degrés, une température de l'eau à 18 degrés, une marée qui descend, le plein bas est à 13h05, les coefficients 86 sur ce descendant. Le vent qui était plein sud au premier check, là ce matin il est passé sud-sud-ouest, toujours à 2-3 beaufort, le plan d'eau est ride et clapot, les phases de vagues sont un peu ridées, puis on a cette houle qui est longue avec 10 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest, une houle qui est agitée, multipique en atténuation. Sur les séries, il y a 2 mètres à 2 mètres 30, mais de temps à autre, il y a des grossettes qui flirtent avec 2 mètres 50. Agitées, désordonnées, en dégradation, pas terrible. Personne à l'eau, l'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va s'amortir. Un vent qui est prévu revenir au sud-sud-est, mais en se renforçant. Donc c'est pas gagné, ça va rester quand même agité a priori. La boire cachant est à la baisse à 3 mètres 80. Et 7 secondes, on attend à 13h 2 mètres à 2 mètres 30, ou ouest à ouest, sud-ouest, 10 secondes de période avec un vent sud-sud-est 3 à 4 Beaufort, et à 17h 1,50 à 2 mètres, ou ouest à ouest, sud-ouest, 10 secondes de période, vent de sud-sud-est 4-5 Beaufort. Même si le vent est attendu repasser offshore, il va se renforcer, là où il va rester assez consistante, c'est pas gagné cette histoire à surveiller. Prochain point, 11h30, à tout à l'heure, merci. We'll be right back.